Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombal Média Nawla depuis Bombal Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Jodi nous allons inviter à écouter le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Jacques Lafontaine, qui averti et puis menacé. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombal Média Nawla voulait remercier tout le monde qui toujours branché Bombal Média Nawla pour information pays. Et yon gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombal Police, l'équipe Bombal Média Nawla nous apprécie ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, nous dérouler avec information. Yo, en nous. Commissaire gouvernement pour le Prince Jacques Lafont demande tout acteur politique qui a annoncé manifestation dans le moment maladie pour retourner sous décision ça qui cause plus de monde contaminé dans la maladie. Magistrat Lafont dit il reconnaît droit tout le monde dans la vie nationale là pour manifester. Pendant qu'il fait appel à conscience organisateur, il dit qu'il doit collaborer pour empêcher maladie à gagner dans tout pays. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps. N'a invite au suivre. Et m'a dit un grand bonjour à tous journalistes et presse parlée, écrite et télévisée et qui vrai motif rencontre ça matin hein, avec la presse. C'est alors m'a dit d'abord que nous faisons conférence de presse là ici dans salle de conférence ministérielle, c'est parce que et nous qu'on nouvelle déjà nous gagnons greffier et c'est le greffier Jean-Antoine Leslie qui décédé suite à d'après nous pas un test officiel là qui dit ça mes parents t'as dit c'est le Covid il mourit. Donc pour éviter que tu aies d'autres employés qui t'aient infecté en bas le ministère a été choisi désinfecter l'espace là et sur la base de ça nous observons 3 jours d'arrêt de travail et que Nabvini continue reprendre travail à partir de lundi prochain. Mais il faut dire tout, la justice est un service public qui doit continuer de manière ininterrompue. Et sur la base de ça, nous gagnons des substituts commissaires gouvernement, tels que Maître Émile Abner, et nous gagnons Maître Evans Frédéric, qui s'est lui-même assuré le service de la permanence du parquet. Et nous gagnons Droyen, moi-même, nous toujours là, pour nous capables d'assurer que. Si il y a un service qui doit bailler, à un justiciable, faut être capable de venir normalement. Donc voilà pour qui raison nous choisi faire conférence de presse ici à l'enceinte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et maintenant, nous gagnons motif pour un contenant, c'est parce que il y a des annonces de manifestations. De rassemblement de rue qu'a fait et à partir de demain dimanche 7 notamment et maintenant nous te voulons adresser nous à organisateurs et manifestations populaires ça yo pour nous dire un et nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne, et de 1987 amendée, il reconnaît droit pour nous de manifester. Et en cela, et nous pas capables d'opposer, nous pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi, garant de l'ordre public, parce que la loi place le commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui cap vini à partir de rassemblement ça, à partir de l'initiative ça, mais nous avons droit pour nous dire halte là. Et que, en plus, les conventions internationales reconnaissent que lorsque il y a un décret, il y a un état d'urgence,
qui décrétait dans un État, dans une nation, eh bien, un ensemble de droits qui perdus automatiquement. Un ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi, qui perdus rapidement, notamment droit pour moun prendre la rue manifester. Donc c'est pas une tentation de dictature, c'est pas une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre moun babouquette dans bouche moun pour yo pas manifester. Ça a gagné comme desiderata, ça a gagné comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc, aucunement par une tentative de dictature sur ça, mais c'est une mission que le commissaire gouvernement gagne, que la loi Bali, et pour que gagne des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté, restrictions de certains droits, et, tels que droits pour nous manifester. Et m'a pas annoncé à organisateurs que, par exemple, regroupement ça yo et yo ka toujours fait yo, mais est-ce que l'Ibral permet que effectivement revendication passe? Parce que là nous ouais, et yon premier geste barrière yo ben à tout on sait distance sociale, c'est distance pour nous kembe observer par rapport à moun qui wa côtoyer ou à pratiquer. Donc foule moun ka prend la rue, c'est une occasion qui pral gagner pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc, par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques de propager davantage et épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore, que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui appartiennent, pour nous taper en initiative, regrouper le monde dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Donc voilà. Ça me devait partager avec la presse aujourd'hui, hein, en si peu de mots, et si moi pas clair, et m'a fait me clair, hein, peut-être deux ou trois questions, bien. N'a bien pour me poser. Merci beaucoup. Ancien signal. Signal FM, est-ce que ça t'a dit, commissaire, si on organisateur d'après la rue, dans le mouvement ça qui a mis là, qui s'acte à qui s'est arrivé? Écoutez, et qui ça capte le monde? Nous gagnons, c'est la loi capte. Donc, ce que je dis là, je le dis avec mes yeux bandés. La loi capte, il y a un décret d'urgence qui dit dans un espace ouvert ou bien fermé, et mais aucun rassemblement pas possible au-delà de 5 mounes. Donc, c'est 5 mounes. Donc, maintenant, et là, m'a dit là, côté, mais là, où est-ce que ça passait? Nous avons plus que 7 mounes là. Mais pas oublier son bagage spécial. Pas oublier son bagage spécial. Et, il a dit le tout. Il a dit le tout. Mais je ne parle pas à la presse. Je ne parle pas à vos messages, ben, monde qui a organisé. Et que, mais pas oublier, et moi, voilà, et nous parlons de débordement, nous parlons de déferlement populaire. Nous parlons de déferlement populaire. Nous, c'est des mondes professionnels qui chita sagement et qui attendent, mais c'est pour un temps assez court et qui peut durer plus que 15 minutes là, je pense. Donc voilà pourquoi. Nous mettons là, on a un décret à dire ça pour faire. Oui, un peu de discipline, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi. Un peu de discipline. Un peu de discipline. Le nom, c'est le média. Le nom, c'est Olivier Sonia et le matin, c'est Olivier. Et question par nous, décision, ça va prendre tout le monde qui a manifesté. Non, écoutez, où est-ce que ça fait avec eux? Il y a discipliné pour que les gens pas. Et même la différence, je vais vous poser la question. Et où est-ce que tu as dit pour les gens qui parlent de la banque? D'accord? Certainement, les gens qui parlent de la banque, ils parlent de la banque. Mais la boîte, c'est
son utilité. C'est pour un besoin utilitaire qui peut durer plus que un espace de signement. Ce que j'appelle l'espace de signement, c'est un temps qui est relativement court. Donc maintenant, au monde qui parle pendant 2-3 heures en journée, qui parle de déferlement populaire, certainement, c'est une occasion qui va le permettre que la pandémie en lit pour partager plus facilement. Merci, Kada 11, au terminé. Kada 11, c'est nouvelle. Kada 11. Je vous réfère au décret d'urgence pris par le président de la République. Bien, dernière question avec Canal 11. Allez-y. Canal 11. Très bien. Et maintenant, nous, le doyen du tribunal, Maître Bernard Saint-Ville, de concert avec le commissaire du gouvernement, nous avons planifié une session spéciale, audience criminelle sans jury, qui a commencé hier lundi. Et au terme et à l'issue de ces audiences spéciales, nous avons permis que gagne deux audiences par jour qui te prend. Mais brusquement, nous venons gagner la mort, le décès de d'un de nos greffiers, Maître Jean-Antoine Leslie, et que ça te vienne permettre que l'audience ne soit pas capable de continuer. Donc nous programmons pour lundi prochain, disons mardi prochain, n'a pas repris normalement, et n'a pas accéléré pendant intensif pendant tout au long mois ça yo, pour nous capables de le plus de monde possible. Mais pas oublier que nous sommes déjà en amont nous-mêmes, nous avons travaillé en amont par rapport à ça. Et audience correctionnelle organisée chaque jour sur l'égide de la loi du 6 mai 1927. Et au terme de ces audiences spéciales correctionnelles, nous avons des gens qui étaient libérés. Et nous sommes capables de témoigner pour ça à la prison à Boili, l'organisation de l'Oise Meyo, qu'on est là. Nous libérons plus de 200 gens déjà. Du 21 mars à date, nous libérons plus de 200 gens dans la prison hein, et qui te permettent qu'ils ont un allègement par rapport à ça gagne comme flux et niveau de détention bien en prison. Voilà. Merci. La dernière question avec Radio Bookman, c'était Solaire. Radio Bookman. Bonjour. Daniel Bier de Mamsa Radio Bookman. Commissaire, en quel moment on essaie d'interpréter dans la rue par rapport à quelle décision l'État lui-même mandé pour le grand. Quand nous, comme réponse, il n'y a pas décidé d'appliquer, c'est parce que. En pile fois, nous prenons des décisions qui allaient, qui pas aller dans le sens où nous. Peut-être que ça n'a pas dit, c'est une autre bagaille qui a fait par rapport à ça. Nous dit. Est-ce que nous va sentir, en pile fois, des décisions, ça a eu plus affaibli l'État qui est dans le travail là. Parce que les nous remarquons à travers la rue, ça a passé dans le camion métro, dans le papier. Et je dis à là, est-ce que. Décision ça l'aide pour nous pas plus mettre l'huile sur différents pour faire participer dans ce que nous-mêmes nous interdit au fait. Écoutez, je dis que ce n'est pas facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Ce n'est pas jamais qui est facile. Moi, je suis sociologue de formation. Ce n'est pas jamais facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Donc certainement, a gagné de déviation, a gagné comportement déviant, a gagné errance, errement, a tout gagné des comportements comme ça. Mais maintenant, c'est au fur et à mesure, n'a gagné pour nous capable de corriger. Donc même pas ces questions-là, ils sont belles questions, mais nous pas le faire. Ouais, Bambou, on sait des pays, c'est Badjo Batmounio. Yo fait Lyon y a le bruno eux yo game yo battio c'est menti monsieur c'est menti monsieur non est-ce que menti qui monte battio mais nous mêmes où est ça passé. La gestion de la COVID 19 est catastrophique, c'est une gestion catastrophique. D'ailleurs, dès le départ, l'État haïtien optait pour l'option curative
alors que l'État haïtien aurait dû opter pour l'option préventive. L'option curative, le dit ça, c'est comme d'adou, yo quitte mon yo malade, après y a pral guéri mon yo. Alors qu'on n'a pas la capacité de faire face, effectivement. Lorsqu'on pays dans quoi Haïti qui a toute difficulté, ça y est, il t'a plus bon si tu as choisi une option préventive. Ça veut dire, pas quitter maladie à rentrer du tout. Si dès le départ, nous te gâtons contrôler, mon cap sorti à l'étranger, cap rentré ici, nous te prenons disposition ça correctement, eh bien, aujourd'hui, à nous pas dans la situation catastrophique, nous y est là aujourd'hui, parce que aujourd'hui, tout le monde le constate, la maladie est en train de prendre son pic, la maladie est très active en Haïti. Et c'est ça que fait nous demander à la population pour le prendre le maximum de précautions, même si la population n'a pas quoi dans l'autorité de l'État. Mais nous disons, là on prend précaution, ce n'est pas pour l'autorité de l'État qu'on prend précaution. On prend précaution pour tête, pour famille, pour ne pas malade et pour ne pas propager maladie. J'appelle à la responsabilité de tout un chacun pour essayer de faire face à cette pandémie qui a secoué le monde entier et qui continue à secouer le monde entier. Nous condamnons notre gestion qui fait là. Et premièrement, grand pile politique, messieurs, dames, nous avons essayé de faire dans le coronavirus là, même 3000 piastres, Jovenel Moïse, la voyait by monde, c'est délégué départemental, vice-délégué, partisan PHTK qui choisit qui est ce baïkom. Et ce qui est inacceptable. Dans une situation aussi difficile, la solidarité doit être la valeur cardinale qui caractérise l'action des autorités de l'État. C'est-à-dire, depuis que nous avons besoin, en fait, pour Bali, on va besoin de qui côté nous avons campé. Et c'est comme ça qu'on fait, nous avons mangé, à distribuer, dans le pays, dans le quartier populaire, dans le pays, qui relè nous, qui dit nous, pas bah, manger parce qu'ils disent que c'est partisan PHT, que c'est partisan secteur démocratique. Bref, cela est inacceptable. Même si manger à Baila, sous pas dans le PHTK, il n'y a pas. Ou dans le secteur démocratique, ou dans l'autre parti, ou pas, ou dans l'autre organisation, ou pas. Bref, cela est inacceptable. Nous condamnons, tout comme nous condamnons le manque de transparence que nous constatons dans la gestion financière de la COVID-19. C'est l'argent qu'a dépensé à droite, à gauche, sans aucune transparence. Moi, j'ai toujours dit que l'état de droit est permanent, même s'il y a urgence sanitaire, mais cela ne dispense pas les autorités de l'État de la nécessité de respecter les principes de transparence. Couder contre par contre, ça a passé, l'argent a dépensé, tribobabo, nous sentis c'est l'argent qu'a fait pour renforcer les bases politiques, et puis la communication est très mauvaise. Il y a des messages contradictoires qui sont envoyés. Même l'État qui dit Mounio pour 5 personnes par assemblée. C'est même l'État qui mettait Mounio pile sous pile à faire 4 électorales de malheur. Bref, l'État n'est pas sérieux dans la gestion de la pandémie. Et ça fait Jodia, n'a fait face à une situation extrêmement difficile. Nous sentons qu'il y a une volonté pour défendre une diversion politique. Parce qu'on depuis quelques temps, c'est ça fait mandat Jovenel Moïse qui a fini 7 février 2021 qui a parlé. Il y a besoin de venir avec un autre élément. Dans l'actualité, pour disparaître question fin mandat Jovenel. C'est ce que j'appelle une manœuvre de diversion politique. Mais deuxième aspect, n'est pas sérieux. L'homme a des décrets qui dit désormais, il faut que la machine soit bien aérée, il faut que la machine soit propre, il faut que la machine soit belle. C'est comme si nous t'a dit, avec un simple décret, on peut moderniser le transport en commun en Haïti. Mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un décret pour un bout de papier pour moderniser le transport en commun. Ça nécessite une politique publique de transport pour dire, mais comment on va gérer la question? Bref, là encore, ce n'est pas sérieux. Mais autre chose, c'est que ce décret, c'est un décret liberticide à plusieurs points de vue. Vous sentez une volonté pour bâillonner la liberté, de la parole. Vous sentez une volonté pour attaquer les libertés publiques, les libertés citoyennes. On ne peut pas accepter ça. Heureusement, grand pile monde qui commence à prononcer sur ça. Bref, je pense très honnêtement, ce décret n'a aucune importance parce que je me sens que c'est plus un élément en plus parce que ce n'est pas avec un décret qu'on est capable de gérer un problème comme ça. D'autant plus que le gouvernement très maladroit dans la communication, c'est plusieurs messages contradictoires qu'a envoyé. On n'y a pas quoi dans la parole autorité de l'État. Et c'est ça que fait aujourd'hui, la pandémie en maladie est en pleine progression en Haïti, et c'est un constat. Mais le secteur démocratique et populaire est très impliqué.
d'accord, dans la bataille contre la propagation de la pandémie. Pas oublier, le secteur démocratique a été monté en bande brigade communautaire et qui marchait, distribuait masques, distribuait Clorox, distribuait un sanitizer, distribuait et tout ça nous gagnait. Non seulement à Port-au-Prince, mais à travers le pays. Nous fait dans la mesure de notre possible et c'était une opération réussie. Et mon compte, le secteur démocratique, la Gonjan le fait lui-même. Tout ça nous fait, nous dit, c'est dans le cadre d'une solidarité agissante. Il y a un monde qui rentre dans une dynamique de campagne électorale, nous-mêmes nous pas la donne. Tout ça nous fait, tout ça nous baille, c'est dans le cadre de cette solidarité que nous faisons avec la population. Nous distribuons produits dans la Grand Danse, nous distribuons dans le Nord-Ouest, nous distribuons dans le Sud, nous distribuons dans l'Ouest, nous distribuons pratiquement dans tout département géographique PIA, nous distribuons en pile produits, en pile masque, en pile Clorox, en pile sanitizer, c'est ça que nous sommes capables de faire. Et nous faisons parce que nous estimons qu'il est nécessaire, même savons nous distribuer. Le secteur démocratique a participé à sa manière, bien sûr, dans la mesure de son possible, dans la bataille pour empêcher la maladie à propager. Évidemment, nous ne faisons pas le même genre en pile l'autre monde fait, parce qu'il y a un monde qui tout profite à faire campagne électorale, etc., etc., parce que nous-mêmes n'avons pas une campagne électorale avec Jovenel Moïse. Tout ce que nous faisons, et tout ce que nous donnons comme support à la population, ce n'est qu'une simple manifestation de solidarité. Il n'y a pas un débat sur la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse. C'est la constitution haïtienne qui fixe la durée du mandat des élus. Pas de discussion, pas de débat sur lui. Évidemment, M. PHT Kayo, qui besoin prolonger le mandat Jovenel Moïse pour arriver 7 février 2022, c'est comme s'il a fait bagarre à tout le monde, il a demandé blanc pour parler pour lui, il a baïkob à l'étranger pour faire monde parler pour lui, il a fait amagou, mais on va demander la John Lorbeille pour lui. Mais à la vérité, l'article 134-2 de la Constitution de 1987 a mandé clair, le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021. Il n'y a pas à sortir de là. Et quelle que soit la date de son entrée en fonction, c'est le processus électoral initié le 25 octobre 2015, continué et bouclé en 2016, qui a conduit Jovenel Moïse au pouvoir. Il n'y a pas de discussion à ce niveau. Et évidemment, il y a fait manœuvre. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jovenel Moïse fait tout le mandat là, mais mon latrine, il va faire dans le pays. Ça c'est un, il a bien mérité. Et deuxièmement, pas oublier tout, Jovenel Moïse, mon bon dossier la justice, Petro-Caribé, dossier Ukraine, blanchiment l'argent, il a bien mérité ce pouvoir pour ne pas paraître devant la justice. Mais c'est bien compté, mal calculé. Je vous donne cette information. Il y a eu une concertation qui a démarré entre tous les secteurs de la vie nationale, secteur politique, secteur de la société civile. Et nous déjà entendons sur ça, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Le mandat de Jovenel Moïse prend fin le 7 février 2021 et déjà nous commençons à écrire le projet du gouvernement de transition. Et nous allons signer un accord politique pour la gestion de la transition. C'est dans ça que nous y est. Et on est en train de construire le rapport de force nécessaire qui nous permettra de faire respecter la Constitution. Bon, je vais bien. Si vous prenez un bon député qui sort une élection 2015, vous avez un problème dans la circonscription. L'élection est finie en retard. Vous prêtez serment en 2017. Il y a 3 ans seulement, vous passez dans le Parlement. Vous n'avez pas fait 4 ans. Mais vous quittez le Parlement. C'est la Constitution. Le mandat n'est pas calendaire. Le mandat est constitutionnel. C'est le temps constitutionnel qui fixe, qu'il faut respecter. Bref, il n'y a pas de discussion à ce niveau. Si on prend un bon sénateur qui est là pour 6 ans, il fait 4 ans seulement. Mon gars qui est là pour 6 ans, qui fait 3 ans seulement. Tu prends un coup de donne Lima Etienne. Il fait seulement 3 ans parce qu'il est rentré dans le Parlement en 2017. Alors qu'il était première sénatrice de l'élection 2015 ou dans le Nord, ou dans Marcellus. Il fait 3 ans seulement. Il peut être qu'à venir dire, bon, etc., raffolerait, défolle, font titan en plus. C'est le temps constitutionnel. Le temps constitutionnel est un temps fatal. De pour elle aller, l'aller net. Bref, pour nous, il n'y a pas de discussion. Michel Matéli, en application de l'article 134-2 de la Constitution, il était prêté serment 14 mai 2011,
Mais 7 février 2016, liquidé par les nationales, parce qu'il n'est pas capable de rester pour 14 mai 2016, il a perdu presque 4 mois dans le mandat là. C'est la Constitution, c'est l'application de l'article 134-2 de la Constitution. Bref, Jovenel Moïse a fait manœuvre, payer quelques diplomates anti-corps pour faire parler pour lui, mais cela ne marchera pas, cela ne passera pas. Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir le 7 février 2021, même si nous-mêmes, dans le secteur démocratique-là, nous avons conviction que mobilisation supposée renverser Jovenel Moïse avant 7 février 2021. Mais à partir de 7 février 2021, c'est la fin de son mandat constitutionnel. Et s'il a décidé de quitter le pouvoir par la force, le ça, la plongée pays en chaos, la plongée pays en désordre, la plongée pays en déchoucage, la plongée pays en tiré coup de fusil, et dans le quartier populaire, tant coup, non, rester du droit pays. C'est comme si une adulte a choisi plonger pays dans la guerre. Mais heureusement, ma conviction, pour répéter l'autre, la guerre de droit n'aura pas lieu. Nous sommes des soldats et qui nous dynamiques, qui nous travaillent pour la paix. Nous sommes contre la violence. Nous espérons toute bagarre passer dans l'ordre, dans la discipline, dans le calme. Il n'y aura pas de violence. Nous ne pouvons pas souhaiter ça. C'est rien parce que moi-même, beaucoup de gens n'occupent aucun poste. Dans l'État, bagaille, ça c'est blague. Bon, le président a parlé d'élection. Mais, Jovenel Moïse n'a pas l'estomac pour faire élection dans le pays. Pas d'élection en Haïti tout autant pour ce Petro-Caribé n'a pas fait. Pas d'élection tout autant conférence nationale n'a pas fait. Pas d'élection tout autant n'a pas fait nouvelle constitution. Pas d'élection avant transition. Pas d'élection avec Jovenel Moïse. Parole ça, faut clair pour yo. Projet PHTK gagné. Pour yo faire Jovenel Moïse font élection. Pour yo passer pouvoir ba Mateli. Pour yo capable craser pour ces Petro-Caribé. Pour yo capable continuer voler. Pour la justice pas mettre code dans coup monsieur dame PHTK yo. Projet ça pas passer. Nous combattrons ce projet avec la grande détermination. Ça ne passera pas. Vous pouvez oublier comme ça. Nous avons crasé le projet ça en miettes morceaux. Le peuple n'a pas quitté le projet ça appliqué. Vous allez voir bien. Vous pensez qu'on est un conseil électoral qui a permis lui là pour dire lancer le conseil électoral, lancer l'élection, et puis il prend machine, il prend le nom, il va l'installer en bec. Pas ça. Vous pensez qu'on est un conseil électoral qui a dit comme ça, bon, il va l'installer en bec dans Nord-Est. Vous l'avez passé. Et si mon petit noyé, vous pensez que bon on est qui a l'installé un bête dans le pays là pour nous faire élection? Vous pensez que bon on est qui a permettre de l'inscrire comme candidat pour l'élection? Vous voyez comme son jouet qui là? On bataille politique tout bon là. Hein? Nous pas jouer non diable. Nous pas jouer. N'a pas goumé. Ah, allez dire ça. Allez dire ça. Projet élection pique coller. Élection bidon. Pour passer PHTK à pouvoir, pour mettre les vignes prendre pouvoir, pour continuer à voler comme l'État, continuer à mettre gang dans le pays, à captouiller la population, à violer petit peuple, pour continuer à empêcher le procès Petro-Caribé à faire, pour continuer à craser le pays, à projet ça, secteur démocratique là, à craser le miette morceau, peuple à craser un miette morceau, qu'on y a tendé, qu'on y a gardé, je le dis avec conviction. Le PHTK n'a pas d'avenir dans ce pays. Seul Jean pour y avenir, il faut passer sous Zadraïna. Le pays a raté des occasions historiques réelles. Nous ratons pas d'occasions historiques réelles. Nous avons raté une occasion historique parce que nous avons assassiné Jean-Jacques Dessalines, Gaston Canson, le 17 octobre 1806, le père fondateur de la patrie. Dessalines était seulement 48 ans. C'est un jeune garçon. Dessalines était en santé. Dessalines était qu'on fait sport, qu'on dansait en pile. Dessalines était en santé. Dessalines était arrêté pour 10 ans ou 15 ans. Si Dessalines était au pouvoir, il fait 20 ans. Je vous garantis aujourd'hui à Haïti pas arrêté avec les États-Unis d'Amérique. Mais on a torpillé le projet dessalinien. On a casser le projet de Saline dans la violence. Bah, ça fait nous faire bac en pile, c'est bah, ça détruit le pays. Et l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines,
c'est le premier crime politique spectaculaire de notre histoire. C'est le premier coup d'État de notre histoire. Nous avons perdu l'autre occasion. Ils ont empêché un ténor firmé de prendre le pouvoir. Tout le monde a supporté, et comme tonton Noy, etc. On n'a pas aucun projet, aucune vision. Là encore, c'était une occasion ratée. On rate en pile d'occasion. Nous ratons l'autre occasion encore. Avec le Cécin Roque François Maniga. Tout pas bail Maniga chance. Et c'est le coup d'État contre le Cécin Roque François Maniga qui nous a fait rater la transition démocratique. Bref, nous perdons une bonne occasion. Une bonne occasion, nous perdu. Dans l'histoire pays, des occasions franches, nous perdu. Et estimé pour un coup d'État le 10 mai 1950, le coup d'État contre-estimé a cassé toute la dynamique sociale qui était enclenchée dans ce pays en faveur des ouvriers des masses populaires sous le gouvernement d'estimé. Là encore, c'était une occasion que nous ratons. Bref, nous ratons pas nos occasions. Moi-même, je me regrette. L'élection 2010, j'avais suggéré que la population a voté Mme Maniga, j'avais supporté Mme Maniga. Mme Maniga face à Matéli, et puis nous votons voyou, nous votons délinquant, on saloperie. Et c'est ça qui était dans ça, bon Jovenel Moïse, etc., bon privé, on l'autre malpropre encore. Bref, c'est tout le monde tente, on bonne malpropre qui dirige le pays. La qui porte pays avait dit 15 années. Non, pas 15 années, seulement nous nous ratons pas en occasion. Si en 2010, et bon, je vais vous très honnêtement. Je vais mettre Mme Maniga dans le niveau Leslie Maniga. Je vais faire ça. Alors tu vois la vérité. Je suis plus proche de Mme Maniga que Leslie Maniga. En 2010, Mme Maniga candidat, je suis bon côté. Leslie Maniga, je ne pas pratiquer dans le niveau ça. Mais personnage ça, ce n'est pas des personnages comme Soutado ou capable de gagner chaque 5 ans, chaque 10 ans, pays a fait. Même j'en tourne raté en tenant filmé. L'on raté mon ça, on raté honnête. Mais 2010, il c'était Mme Maniga, c'est ma conviction. La situation aurait été différente. Là encore, dans le dernier coup de 4 là, il y a un vacabon. Il y a un vacabon. Il y a un saloperie. Et puis, nous perdu une occasion. Nous perdu une bonne occasion. Et puis, nous là, bon, on l'obéit, qui est privé. Qui font entente, qui baille Jovenel. Bref. Mais je dis, c'est le plus important. C'est l'avenir. Moi, je crois que si nous travaillons bien, nous pouvons réussir ce projet. Nous pouvons réussir cette transition qui doit être la dernière transition. Une transition qui nous permettra de poser et les questions de fond, une transition qui nous permettra d'arriver à cette nouvelle constitution, une transition qui nous permettra d'amorcer le changement que nous voulons tous pour notre pays. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer ti cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.